Sur France Inter, lundi 13 mars 2023, Sophie Aram a décidé de consacrer son billet d'humeur à la nouvelle polémique engendrée sur le plateau de Touche pas à mon poste lors de la présence de Gérard Fauré. Cet ancien dealer avait porté de lourdes accusations sur Pierre Palmade mais aussi de nombreuses autres personnalités. Pour l'humoriste, si est-il le complot de trop, d'où le titre de son dernier billet. Aussi probable qu'allumer ses flatulences avec un briquet peut conduire à se brûler les poils des fesses, invité dans l'émission d'Hanouna un ancien dealer reconverti dans les théories complotistes, peut conduire à ça, a-t-elle dénoncé, avant de qualifier Cyril Hanouna de décérébré et l'équipe des chroniqueurs de TPMP de bande d'abrutis congénitaux. De quoi particulièrement agacer le trublion de C8 mais pas Géraldine Maillet. En effet, la chroniqueuse n'a pas pris la défense de Sophie Aram mais a tenu à préciser qu'elle n'avait rien dit de mal. Soit si est-il diffamatoire, soit ça ne l'est pas. Là, en l'occurrence, si est-il un billet comme une éditorialiste qui n'est pas drôle. Mais je trouve que ce n'est pas très grave. Si elle a envie de se tailler TPMP tous les jours, on s'en fout, a-t-elle lâché. Cyril Hanouna s'est attaqué à la mère de Sophie Aram immédiatement. Cyril Hanouna a expliqué que finalement, de tels propos tenus par Sophie Aram, lui faisaient de la publicité. Tout de même touché par ce billet, il n'a pas hésité à s'en prendre au problème judiciaire de sa mère, condamnée en 2011 à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme pour escroquerie. Normalement je touche pas aux amis, ni à la famille, mais je suis obligé. Point, nous, on est honnête, mais toi au moins occupe-toi de ta maman ma chérie, a-t-il poursuivi.